Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de TVR Soir. Nous sommes le lundi 8 septembre et ce soir, dans l'actualité, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, aura passé 5 heures au 11e régiment d'artillerie de marine à Saint-Aubin-du-Cormier. Pendant plus de 2 heures, Jean-Yves Le Drian a effectué une visite opérationnelle au sein du 11e RAMA. Au menu, visite des bâtiments de vie et présentation d'ateliers sur la préparation militaire. Impliqué dans différentes opérations à l'étranger, notamment au Mali et en Afghanistan, le régiment d'artillerie de marine pouvait néanmoins s'inquiéter sur son avenir alors que 34 000 suppressions de postes sont envisagées d'ici 2019. Jean-Yves Le Drian, lors de son allocution, a rassuré son auditoire. Le RAMA de Saint-Aubin-du-Cormier ne sera pas concerné. J'ai tenu un discours qui était un hommage à ce régiment. En plus, ce régiment, je le connais bien. J'ai vraiment croisé en opération concrète plusieurs éléments du 11e à plusieurs reprises. J'ai pour eux beaucoup de considération. Donc, par rapport à votre question, oui, j'ai ce sentiment-là. Pour les élus locaux et notamment pour Jérôme Bégas, le maire de Saint-Aubin-du-Cormier, le maintien des effectifs du 11e RAMA est un véritable soulagement pour sa commune et pour l'ensemble du pays de Fougères. L'assurance de conserver ce plus gros employeur du pays de Fougères et donc qui draine beaucoup de vies locales, que ce soit sur le pays de Fougères, son pays de Liffré, et ça va jusqu'à Rennes et bien au-delà, puisque 800 militaires, c'est beaucoup de familles, et surtout donc sur Saint-Thomas-du-Cormier, où en effet ça fait vivre nos écoles, nos commerces, et on se bat au quotidien et tous les jours, et pour une commune de 3700 habitants, le 11e RAMA est essentiel. Soulagement également pour les militaires du 11e RAMA. Il est vrai que dans un contexte international très tendu, leur force opérationnelle est un atout indéniable pour l'armée française.